Le Sili national de Guinée disputait son match de préparation face au Sili local mercredi au stade du 28 septembre de Conakry. Cette rencontre a permis au sélectionneur guinéen de passer en revue sa troupe. Kamfouri Lapé Bangoura est satisfait de la prestation des nouveaux joueurs. On a vu l'Onsana réaliste, vous avez vu, malgré tout, il a mis deux buts, bien que le second c'était un enjeu. Et Martinez sur les déviations, défensivement, et puis très bonne technique de balle. Mara, quant à lui, vivace, c'est frais, il recherche des solutions, il va vite. Et bonne technique de balle, je pense que c'est un très bon apport. Oui, Muntaga, vous avez vu, malgré qu'il a joué contre l'équipe type, il a eu de belles détentes, il a été présent, bon. Si Lapé Bangoura est satisfait du contenu du match, le sélectionneur du Sili compte néanmoins corriger certaines imperfections avant le match décisif contre la République démocratique du Congo dimanche. Nous voulons voir l'animation offensive et puis voilà le retour défensif, le contenu dans le jeu, voir l'efficacité. C'est le jeu, le calme dans le jeu, la recherche des solutions. Et à un moment, défensivement, on a été présent. C'est bien vrai. Il y a eu beaucoup d'espace. On a un peu laissé l'adversaire jouer. Mais je crois que ce sont des choses qu'on va corriger. Deux nouveaux joueurs étaient titulaires au coup d'envoi de la rencontre. Lonsana Doumbouya, joueur d'Iverness en Écosse, et Mohamed Mouara, joueur de Lorient en France, se réjouissent de leur première convocation avec l'équipe nationale de Guinée. Les deux joueurs se sont d'ailleurs bien intégrés au sein du groupe. L'intégration s'est très bien passée, je suis content hein, parce que tous les membres du staff m'ont très bien accueilli. Donc voilà, je suis content de la manière dont ils m'ont accueilli. Donc pour l'instant ça continue, ça se passe bien. Donc voilà, je suis content. Franchement, heureusement je parle la langue soussou, je suis guinéen. Donc ça n'a pas été compliqué pour moi de m'intégrer. Et franchement, je suis le plus jeune et ils sont tous mes frères. Donc voilà, je suis à l'écoute. Et quand je suis arrivé déjà à l'aéroport, on me conseillait des biens, des mauvais. Donc voilà, j'ai pris part et je me suis bien intégré et ça s'est bien passé. Les nouvelles pépites de la sélection guinéenne ne manquent pas d'ambition. Lonsana Doumbouya et Mohamed Mara veulent s'inscrire dans la durée en équipe nationale. Ce pour permettre au Sili de franchir un nouveau cap. Mes ambitions, c'est déjà d'être dans le groupe plus longtemps et aussi apporter ce que je suis capable de faire. Mon enthousiasme, la vivacité. Donc voilà. Et après, je ne me pose pas de questions. Donc, je sais pourquoi je suis là et comment l'utiliser. Donc voilà. Après, mes ambitions, c'est vraiment particulier. Donc voilà, je vais essayer d'apporter plus à l'équipe. On doit faire quelque chose pour cette nation parce que ça fait très longtemps que l'équipe fait des va-et-vient et on n'a rien eu, donc on est conscient de ça. Je pense que la mentalité de l'équipe, c'est de gagner, d'aller plus loin dans cette compétition. Mes ambitions, c'est à long terme, hein. J'espère vraiment que c'est une grande aventure qui commence pour moi. Et donc j'espère que ça va continuer et je serai toujours là pour répondre présent à l'appel de mon pays parce que voilà, c'est dans le cœur, c'est le pays, c'est mon pays d'origine, de ma famille, de mes parents, donc voilà quoi, il n'y a pas de problème avec ça quoi. Jouer pour son pays d'origine est une fierté inestimable pour les nouveaux joueurs. Quoi, j'avais pas de mots quand on m'a appelé parce que je m'attendais un peu parce que j'ai fait des apparitions en Ligue 1, donc voilà, j'étais pas étonné et quand on m'a appelé, j'ai pas réfléchi quoi. Tout le monde, ensuite j'ai été contacté par M. Lapé, par Kaba, tout le monde m'a contacté, par Laurent. Et voilà, après l'intégration, c'est fait normalement, comme un jeune qui rentre dans son pays, quoi. La volonté de faire la différence et les réalités du terrain, les Guinéens sauront mieux juger les nouveaux joueurs au bout de la rencontre Guinée-République démocratique du Congo, dimanche au stade du 28 septembre.